Baratucciat è un vitigno che si conosce da oltre due secoli. Le Baratucciat est un cépage connu depuis deux siècles. Cité en 1887 dans les bulletins d'empélographie de la Maison de Savoie, au moment où on a effectué le recensement de toutes les vignes en sa possession, le Baratucciat était déjà connu en tant que cépage à baie blanche originaire de Almèze, Villarbas, Avigliana et Boutillière, dans la partie basse de la vallée de Suse. Et puis, se l'erano perse le tracce perché... On en a ensuite perdu les traces, ce qui, à mon avis, est dû à l'abandon des campagnes, et plus exactement des vignes. Au moment de nos petites révolutions industrielles, les populations campagnardes ont préféré devenir ouvrières, ce qui a entraîné un exode rural. Le Baratucciat avait disparu, mais malgré cela, tout le monde s'en souvenait. Mon grand-père et mon père m'en parlaient par exemple, mais dans les vignes que nous avons arrachées dans les années 60, le Baratucciat n'existait plus. La redécouverte de ce cépage a eu lieu grâce à un ami qui habitait mon village et qui s'appelait Giorgio Falca, qui n'est plus là malheureusement. Dans sa cour, il y avait ce qu'on appelle au Piémont une toppia, c'est-à-dire une pergola caractérisée par un immense ombrage produit par un plant de vigne de Baratucciat, qui avait un diamètre de 20 cm environ. Il s'agissait d'un plant en Tephyloxera que son grand-père avait planté au début du XXe siècle. Giorgio Falca s'est donc rendu à la faculté d'agronomie de Grugliasco, aux portes de Turin, qui heureusement n'est pas très loin, en portant avec lui une grappe et un sarment du cépage. Et là, il a montré le Baratucciat que les chercheurs de la faculté connaissaient déjà. Le Centre national de recherche et la faculté d'agronomie se sont donc penchés sur la question et ont effectué des recherches empélographiques qui ont duré 3 ans et qui ont établi le caractère d'unicité de ce cépage, qui n'a d'affinité avec aucun autre cépage, ce qui en augmente la valeur. En partant de ce cépage, on a mené en même temps des expériences de vinification auprès de l'Institut Bonafous de Chieri. Et après 3 ans de travail, voilà le résultat. Le Baratucciat vinifié en monocépage. À partir de ce moment-là, débute l'aventure du Baratucciat. Moi, j'en suis tombé totalement sous le charme, car j'ai eu l'occasion de goûter la première bouteille lors de la présentation officielle de cette redécouverte. Frappé comme l'avait été saint Paul sur le chemin de Damas, j'ai planté la première vigne en 2007, celle dans laquelle nous sommes à présent. Ceux qui en auront l'occasion, la chance ou le plaisir d'y goûter, découvriront son caractère frais, aromatique et riche en saveurs. Ceux qui l'ont goûté pensent aussitôt à un vin blanc valdôtain ou du Haut-Adige, alors qu'il s'agit d'un cépage piémontais qui s'appelle Baratucciat.